Et salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle découverte sur la chaîne après le DTM 2016, place à l'Audi TT Cup 2016. Nouvelle version de ce championnat déjà présent dans Race Room qui revient avec bien des Audi assez similaires à la saison précédente, mais avec quelques petites évolutions techniques et quelques améliorations au niveau rapport poids-puissance, etc. Des petites choses qui font que c'est pas tout à fait la même voiture que celle de l'année précédente. Je vais pas vous cacher que pour l'avoir un peu testé avant de faire cette vidéo, c'était un peu compliqué de voir des différences. Mais bon, alors que là j'ai beaucoup trop freiné. On est en live évidemment, mais grâce à la magie du montage, vous allez pouvoir redécouvrir, pendant que je roule, cette Audi TT Cup en vue TV notamment, puisqu'elle est plutôt jolie. Elle est un peu plus agressive que sa grande sœur, alors que je freine beaucoup trop tard. Elle est un petit peu plus agressive que sa prédécesseuse, je sais plus comment on dit, sa prédécesseuse. Je ne sais plus, bref, l'Audi TT2, tu ne me pousses pas toi, mais tu veux bien rester tranquille s'il te plaît. Donc l'Audi TT Cup 2016, nouvelle version qui débarque dans Race Room avec des voitures assez agréables sur un certain point et plus désagréables sur d'autres. Alors je vais essayer de m'expliquer un peu dans cette vidéo découverte. Alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais on est sur le Slovakia Ring, un circuit que j'aime plutôt bien pour du touring car. Oui, ça correspondait bien parce qu'il y a pas mal de freinage en appui ici en fait. Et je trouve que c'est un des points positifs de cette voiture. C'est qu'avec la mise à jour de, je crois, 6 ou 8 gigas qu'a subi Race Room, on en parlait aussi pendant la vidéo DTM. Eh bien, ouais, freine là, c'est très très bien. Mais c'est passé, formidable. Donc je disais, avec la mise à jour qu'a subi Race Room, il y a pas mal de choses qui ont changé, des voitures qui ont changé de systèmes de transmission qui sont des 4 roues motrices sont devenus des 2, etc. Il y a des voitures qui sont devenues un peu plus difficiles à piloter, notamment les 4 roues motrices. Et ici, on est sur ce que fait de mieux Race Room, c'est-à-dire les tractions. Je m'explique, c'est un des jeux qui pour moi retranscrit le mieux le comportement d'une voiture de traction, particulièrement quand celle-ci est une super tourisme. On le voit avec le WTCC, les versions récentes 2014 et 2015 sont axées difficiles à mettre au point. Et pourtant, le comportement de ces voitures typées traction est extrêmement bien réussi, même s'il était... Il y a de cela quelques versions du jeu un peu trop abusives pour moi en termes de délai à devoir remettre la voiture dans l'axe pour passer la puissance au sol, etc. Là, on avait quelque chose d'un petit peu plus équilibré depuis quelques heures, quelques jours même, puisque, eh bien... C'est compliqué. Puisque, évidemment, le jeu a été, comme d'habitude, à chaque update, en proie à des problèmes de serveur, et il a fallu pas mal de patchs post-update, pardon, pour remettre tout ça à jour. Une fois tous ces déboires passés, vous allez pouvoir profiter de cette voiture qui est extrêmement sympathique. Alors, je ne fais pas de pro ou de anti-Audi, je pars du principe qu'un championnat monomodèle doit avoir 3 particularités, ça doit bastonner, ça doit être varié, et il doit quand même y avoir une hiérarchie, ce qui n'est pas toujours simple à établir. Et en fait, pour voir un petit peu toutes les courses que j'ai faites avec cette TT Cup, j'en ai pas fait 50, mais j'en ai fait 5-6, eh bien, c'est pas toujours les mêmes qui mènent. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait bien aimé récupérer une certaine hiérarchie, comme en vrai, par exemple, je ne sais pas, Michaela Kutolinski, qui n'est pas forcément toujours devant, serait au milieu de peloton et ne pourrait pas gagner, ce genre de choses. Ou Alexis Van de Poel, qui n'est pas non plus le pilote le plus véloce, ne va pas se mettre à gagner 10 courses d'affilée. Donc ça, il y a un petit problème à ce niveau-là, mais ça, c'est récurrent dans Race Room. C'est aussi le cas en WTCC. Au-delà de ça, le comportement de la voiture a bien évolué avec cette nouvelle update. Et on a quelque chose de vraiment sympathique, notamment sur les freinages et le transfert des charges, où on a vraiment... Oh ben voilà. Je vous ai dit que le transfert des charges était très précis, mais à un tel point qu'en fait vous allez prendre plaisir à laisser partir la voiture. Je m'explique. Quand vous arrivez sur un freinage avec un peu trop de frein à l'avant, ce qui est de base le cas sur cette voiture, on va le voir ici quand je vais freiner juste à la descente de cette butte. Je vais me décaler, je vais essayer de freiner par rapport à la voiture numéro 4. Voilà. Et bien en fait, quand vous freinez, vous avez l'arrière qui se déleste et qui balade très léger, puisque moteur avant, etc. Et en fait, c'est vachement sympa comme freinage, parce que vous avez la sensation vraiment que le poids de la voiture se transmet aux roues avant et s'écrase sur l'avant de la voiture. Et c'est vraiment très sympathique et très agréable comme sensation, c'est précis. Et ça n'est pas... Au moment où vous sentez que la voiture a le poids sur l'avant, il n'est pas trop tard pour récupérer le grip et vous pouvez peut-être freiner de manière un petit peu délestée. Je vais aller sur un circuit après, j'hésite encore entre Bathurst et Zolder pour essayer de vous montrer une petite différence là-dedans. Bon, au niveau des caractéristiques de la voiture proprement dite, on garde le système du push-to-pass qui n'a pas changé, contrairement au DTM qui s'est adapté. Ici, vous avez toujours une quinzaine de push-to-pass pour la course, même si en début de week-end, vous en avez 19, quoi qu'il arrive, vous en avez 15.
pour la durée de la course. Au niveau visuel, on a quelque chose d'un peu plus agressif que l'ancienne Audi TT Cup, des jantes un peu plus grandes, un peu plus travaillées, une gueule, hein, c'est comme ça qu'on dit, une face avant beaucoup plus agressive. Pour le reste, ça reste globalement la même voiture, très léchée, très propre, pas de problème. Vous avez un comportement très sain et très agréable, alors que j'oublie toujours qu'il y a un virage dans ce droit-ci. Et vous avez voilà une voiture que vous allez prendre plaisir à jeter dans les virages et à récupérer sans forcément avoir peur de partir au casse-pipe. Et c'est ce qu'on demande à ce genre de formule, pas trop puissante, pas trop compliquée à préparer et à conduire. Et ça fait le travail. Alors essayez l'extérieur. Est-ce que ça peut passer ici à l'extérieur? Oui. Alors je vous invite à aller voir un petit peu aussi la vidéo du DTM 2016, pas pour simplement vous dire d'aller la voir, mais parce que je parle aussi de quelques updates qu'il y a eu dans Race Room, notamment les crevaisons qui sont arrivées. Donc maintenant vous pouvez crever un pneu si vous allez un peu trop loin dans sa consommation de gomme. Donc ça aussi, ça peut influer. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, les drapeaux, etc. Donc je vous ai un peu fait le topo dans la vidéo DTM 2016. Ici c'était plus un peu pour vous montrer un petit peu la prise en main. Oh, je vais pas lui rentrer dedans, c'est tout juste. J'ai freiné très tard ici. La prise en main de cette TT Cup. Il y a toujours le petit bip qui vous indique quand vous êtes en train de downshift, de baisser les vitesses. Si vous n'êtes pas en sur-régime, dans ce cas-là, vous allez passer votre vitesse dans le vide. Ça évite de trouer votre moteur et votre capot avec un piston qui part dans le ciel. C'est plutôt sympa. Reviens. Oh, j'ai vraiment un problème avec cette voiture. En tout cas avec cette piste plutôt, parce que la voiture je l'ai bien en main. J'avais fait une petite saison dans ma carrière Race Room qui doit reprendre aussi également. Mais bon, actualité oblige, il y a des choses qui sont un peu mises de côté. Notamment avec le Deserbus et Excipe et pas mal de choses qu'on a faites récemment. Le crowdfunding qui est toujours d'application également. Je vous invite à aller voir la description pour plus d'infos. Et je vous teste un petit peu tardivement cette TT Cup. Mais ça va, ça vaut le coup je pense. Alors est-ce que ça vaut cher? Alors si vous avez déjà la TT Cup 2015, ça va vous coûter la somme astronomique de... je te pousse, non? Mais ils referment la trajectoire, il n'y a rien à faire. Hein. Ils sont têtus. Bon écoutez, on va finir cette course ici et je vous reprends après à Zolder pour la suite. Allez, on démarre une course ici, on est à Zolder, on prend un départ plutôt moyen. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait... les voitures étaient très sympathiques à piloter et n'allaient pas vous en coûter très cher si vous aviez déjà la version 2015, puisque vous en avez pour la somme de 29 centimes si vous voulez une voiture de la saison 2016 et rouler avec elle, si pas pour l'ensemble complet, c'est-à-dire les 19 skins, enfin les 20 skins plus le vôtre, ça fait 20 évidemment, 19 plus 1 ça fait 20. Un peu de mathématiques aussi sur la chaîne de Maxwell Pilote. Donc on va avoir 20 livrées qui sont globalement les mêmes. Alors à moins d'avoir une couleur favorite, vous en choisissez une et vous roulez tout le temps avec. Il n'y a pas grand intérêt à avoir tous les skins. C'est pas comme un championnat de GT où je vais pas réussir à freiner. Oh oui, ça va, je me mets juste devant lui. Ça va, ça passe. Est-ce que je vais réussir à... Non, je coupe. Ah tant pis, voilà. Alors il y a pas mal de vibreurs qui ont été retravaillés, certaines pistes, certaines TV aussi. Vous allez voir des plans de caméra qui sont beaucoup plus léchés sur certaines pistes dans les replays. Ça va changer aussi. Est-ce que là je peux aller le chercher? Oui, allez, à l'intérieur. Non. C'est un peu présomptueux de ma part là d'aller chercher à l'intérieur de cette voiture. Non, en tout cas, au niveau du son, ça pétarade. Hein, c'est un peu mieux que la précédente. Même si, personnellement, je trouve pas vraiment qu'il y ait de différence. Mais ils nous ont dit que ça allait être sound reworked, donc retravaillé. Le mieux, c'est encore que je vous laisse un petit peu profiter du son de la bête en vue TV, en vue onboard. Et je vous reprends juste après pour conclure un petit peu cette vidéo découverte, mais allez, montez un peu le son et profitez de cette TT Cup. Thank you.
Voilà, alors j'espère que les plans de cette bagarre sur Zolder vous aura plu. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfait de cette Audi qui, certes, ne casse pas trois pattes à un canard, mais fait le travail. Donc, si jamais vous avez le choix entre la TT Cup 2015 et 2016, je trouve que la 2016 est un petit peu plus jolie esthétiquement. Il y a plus de livrées sympathiques si vous êtes fan d'Audi. Si pas, si vous cherchez du super tourisme et de la variété, ce n'est pas sur ce championnat-ci qu'il faut vous diriger. D'ailleurs, en parlant de vous diriger, je vous invite à jeter un œil dans les partie description de cette vidéo si vous voulez retrouver le lien pour tout savoir de cette Audi TT Cup. Il me reste à vous remercier pour votre attention et vous remercier et vous dire eh bien à la prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis. Allez, à la prochaine, salut, ciao.